Bonjour et bienvenue sur Epiano World. Voici aujourd'hui notre cinquième cours des feuilles mortes. Avant de commencer le cours, je vais vous jouer ce que nous allons apprendre aujourd'hui. Je vais maintenant vous jouer la première mesure. Donc, nous commençons cette première mesure à la main gauche par un Ré joué avec le cinquième doigt. Et en même temps que ce Ré, à la main droite, un accord à deux notes, Fa dièse et La. Deuxième sur le Fa dièse, quatrième sur le La. Nous allons maintenir à la main droite notre accord et jouer ensuite à la main gauche La avec le deuxième, puis Mi avec le pouce. Cela nous donne. Et comme ce n'est pas très difficile, nous allons rajouter une note et jouer à la main gauche Fa dièse avec le deuxième. Et notre accord à la main droite est toujours maintenu. Pour la main gauche, Ré, La, Mi, Fa dièse. Et notre accord à la main droite, Fa dièse, La. Nous allons répéter 5 fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main droite, Ré avec le pouce. Et à ce moment-là, à la main gauche, le deuxième qui était le Fa dièse se lève. Cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons jouer toujours à la main droite, un accord à deux notes, Fa dièse et Ré. Deuxième sur le Fa dièse, cinquième sur le Ré. Donc cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, toujours la main droite, nous allons jouer un accord à deux notes encore, La et Do. Troisième sur le La, cinquième sur le Do. Nous étions Fa dièse Ré et La Do. Cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer cette première mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante. Nous avons à la main gauche Sol avec le 5 et à la main droite un accord à deux notes, encore Sol et Si en même temps, deuxième sur le Sol, quatrième sur le Si. Donc cela nous donne.
répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Je vais maintenant vous jouer la deuxième mesure. Donc cette deuxième mesure, comme nous l'avons vu, commence à la main gauche par un sol avec le cinquième et en même temps un accord à deux notes à la main droite, sol et si. Nous allons ensuite jouer à la main droite un accord à deux notes encore, fa dièse et la. Avec pouce sur le fa dièse, troisième sur le la. Cela nous donne. Et nous gardons à la main gauche encore notre sol quand nous faisons notre accord. Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche fa dièse avec le pouce et en même temps la main droite ré fa dièse. Donc cela nous donne. Et ensuite, à la main droite, nous enchaînons sur un accord si et ré. Pouce sur le si, deuxième sur le ré et nous maintenons à la main gauche le fa dièse. Donc cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche. Un accord, 5 sur le do, deuxième sur le sol, et à la main droite, un accord, mi et si. Pouce sur le mi, 4 sur le si, en même temps. Donc cela nous donne. Je recommence. Répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et ensuite, nous allons jouer à la main droite, si avec le quatrième, et à la main gauche, nous levons la main qui jouait l'accord. Donc cela nous donne. Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer maintenant cette deuxième mesure, nous allons jouer la première note
De la troisième mesure, nous avons la main gauche Fa dièse avec le 5 et à la main droite La et Do en accord. Troisième sur le La, cinquième sur le Do. Donc cela nous donne Répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Cinquième. Avant de travailler la troisième mesure, nous allons maintenant revoir les deux premières mesures que nous venons de travailler. Je vais maintenant vous jouer la troisième mesure. Comme nous l'avons vu, nous commençons cette troisième mesure par un Fa dièse à la main gauche avec le cinquième et en même temps notre accord La et Do. Nous maintenons le Fa dièse à la main gauche et nous allons répéter à la main droite notre accord. Cela nous donne Puis ensuite, nous allons jouer à la main gauche Mi et La en accord. Deuxième sur le Mi, pouce sur le La. Et à ce moment-là, en même temps que nous jouons cet accord, à la main droite, nous allons jouer Fa dièse et La en accord. Deuxième sur le Fa dièse, troisième sur le La. Cela nous donne. Donc, Fa dièse, nous répétons l'accord. Mi, La, main gauche, Fa dièse, La, main droite. Et nous allons aussi également répéter l'accord. Ça nous donne. Donc pour la main gauche, Fa dièse, puis accord Mi, La. Et la main droite, accord La, Do, joué deux fois. Et accord Fa dièse, La, joué deux fois. Nous allons répéter 5 fois l'enchaînement. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, Si, avec le cinquième doigt. Et en même temps, à la main droite, accord, Ré dièse, Fa dièse. Pouce sur le Ré dièse, deuxième sur le Fa dièse. Et cet accord sera répété, donc aussi une nouvelle fois. Donc cela nous donne. Donc pour la main gauche, Fa dièse, Mi, La et Si. Et la main droite, La, Do. Fa dièse, La, Ré dièse, Fa dièse. Donc deux fois. Donc cela nous donne. Nous allons répéter 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche, La avec le pouce. Et en même temps, à la main droite, Do et Ré dièse. Pouce sur le Do, deuxième sur le Ré dièse. Cela nous donne. Nous
répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et ensuite, nous allons jouer à la main droite. Un accord, fa dièse, la. Deuxième sur le fa dièse, cinquième sur le do. Et nous maintenons à la main gauche le pouce sur le la. Donc, ça nous donne... Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer cette troisième mesure, nous jouons la première note de la mesure suivante. Nous avons ensuite à la main gauche sol avec le deuxième doigt. Et en même temps, à la main droite, un accord à trois notes. Ré, fa dièse, si. Pouce sur le ré, deuxième sur le fa dièse, quatrième sur le si. Donc ça nous donne... Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Avant de travailler la quatrième mesure, nous allons maintenant revoir les trois premières mesures. Je vais maintenant vous jouer la quatrième mesure. Donc comme nous l'avons vu, nous commençons cette quatrième mesure à la main gauche par un sol avec le deuxième et en même temps, à la main droite, notre accord ré, fa dièse, si. Ensuite, nous allons lever le deuxième qui était sur le sol et jouer ré et la. Pouce sur le ré, troisième sur le la. Cela nous donne... Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer... Toujours à la main droite, un accord à trois notes, si, ré, fa dièse, pouce sur le si, deuxième sur le ré, quatrième sur le fa dièse. Donc cela nous donne... Donc pour la main droite, ré, fa dièse, si, puis ré, la, et ensuite... Si, ré, fa dièse. Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième.
Et ensuite, nous allons jouer Sol et Si. Pouce sur le Sol, deuxième sur le Si. Nous étions là et nous jouons Sol, Si. Donc ça nous donne... Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et maintenant, nous allons jouer la première note de la cinquième mesure. Nous avons à la main gauche Do et Mi en accord. Comme nous ne pouvons pas le jouer, nous n'avons pas une main assez grande. En tout cas, moi, je ne peux pas. Nous allons l'arpéger. Donc, cinquième sur le Do, pouce sur le Mi. En même temps que notre accord à la main droite, Sol, Si, Mi. Pouce sur le Sol, deuxième sur le Si, cinquième sur le Mi. Ça nous donne... Donc, nous jouons d'abord le Do. Si vous n'avez pas la main assez grande, donc Do avec le 5 et puis Mi avec notre accord. Sol, Si, Mi. Donc ça nous donne... Nous répétons 5 fois, première fois. Deuxième. Troisième, quatrième et cinquième. Maintenant, nous allons revoir toutes les mesures que nous avons étudiées jusqu'à présent. Je vais maintenant vous jouer la cinquième mesure. Donc, comme nous l'avons vu, nous commençons cette mesure par Do, puis Mi, et notre accord à la main droite. Do, Mi, Sol, Si, Mi. Ensuite, nous allons jouer à la main gauche un accord à 2 notes. Cinquième sur le Fa dièse, pouce sur le Mi. Et à la main droite, en même temps, La dièse, Ré, Sol en accord. Pouce sur le La dièse, deuxième sur le Ré, cinquième sur le Sol. Donc ça nous donne... Nous répétons 5 fois. Première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main droite. Do dièse avec le troisième, puis un accord La et Do. Pouce sur le La, deuxième sur le Do. Do dièse, La Do. 3, pouce 2. Donc ça nous donne... Je recommence. Répétons 5 fois. Première fois. Deuxième.
troisième. Quatrième. Et cinquième. Ensuite, nous allons jouer à la main droite, fa dièse avec le quatrième. Donc ça nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Et pour terminer maintenant cette cinquième mesure, nous allons jouer la première note de la mesure suivante. Nous avons la main gauche mi avec le cinquième doigt et en même temps la main droite mi avec le troisième. Donc cela nous donne. Nous répétons cinq fois, première fois. Deuxième. Troisième. Quatrième. Et cinquième. Nous allons maintenant revoir toutes les mesures que nous avons étudiées. Je vais maintenant vous donner les indications pour la pédale. 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 Avant de terminer ce cours, je vais maintenant vous jouer ce que nous allons apprendre lors du sixième et dernier cours. Voilà, ce cinquième cours est déjà terminé. Je vous souhaite à tous un très bon courage et je vous dis à très bientôt sur ePiano World.